les abattre. On fait pas le foie gras sans gaver les canards. Mais à partir de, enfin, tu peux prendre des images chocs et les monter, quoi. Et mais heureusement dans un élevage. As-tu déjà visité un élevage? Attends, non, jamais. Mais Didier, heureusement que les consommateurs voient ça, sinon ils sont dupés. Didier, à un moment donné, une salle de gavage. Je vais décrire la scène. Une salle de gavage, c'est une salle qui est climatisée, qui est ventilée, dans laquelle il y a des canards qui sont maintenus dans une cage pendant 7 jours et on leur fait avaler une pâtée pour que le foie il se développe. Voilà. Voilà, c'est ça une salle de gavage. Alors qu'il y ait des gens qui militent contre ce principe-là, je l'entends. N'empêche que la réalité d'une salle de gavage, c'est ça, que des canards qui sont dans une